Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. Alors, on s'était quitté en sachant pas trop quoi faire, et finalement, j'ai réfléchi un peu. J'ai cherché en off le dernier poisson qui me manquait et qui était au niveau de Crow's End Inc. Comme nos fameux trésors. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement déposer Elena et Daria au Seuil Éternel. En espérant que le jeu nous propose pas de déposer Stella, hein, c'est pas le but du jeu. Hein. Le but du jeu, c'est qu'on continue de voir ce qu'on peut faire avec Buck. Et on va tout de suite aller voir ça en jeu. J'ai aussi regardé en off sur le wiki. Alors du coup, je suis au niveau d'un arrêt de bus, c'est parfait. Parce qu'il y a le moulin dont on n'a pas l'amélioration. Et bien tout simplement, on ira la chercher. Visiblement, il y a une quête qu'on peut aller récupérer. Alors j'ai monté le son du jeu, mais j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu trop fort. Je vais vous baisser ça tout de suite. Paf, options, audio, les effets sonores, ils sont trop forts. Ça devrait être mieux comme ça. Je suis désolée. Je trouvais ça un peu faible et j'ai visiblement trop monté. Donc oui, donc il y a une quête pour une quête secondaire pour récupérer l'amélioration du moulin. Donc on va essayer de la faire également. Et du coup, on va direction le Seuil Éternel. On va voir qui le jeu nous permet de déposer. Puisque, je le rappelle, on a plus que des quêtes pour amener les gens au Seuil Éternel. Ok, j'arrose un coup et ça suffit pour tout le monde. Ah non, c'est parce que ça nous a. Voilà, lancer les quêtes. Donc il y a Daria qui nous appelle, c'est parfait. Stella, l'air est différent. Ah, et on a aussi Elena. Nous y sommes, n'est-ce pas? Alors, laisse-nous partir. L'air a cette qualité. Oui, je comprends maintenant. Tous les morceaux de soie qui ont été perdus. Eh bien, ils doivent être ici. Tu sembles rebuté. Ne le sois pas. Tu as toujours su, Stella. Tu le devais. Pensais-tu que ça ne finirait pas ici? Non, on ne peut pas me tromper comme les autres. Les lois de cet océan n'ont pas prise sur moi. Tu as voyagé avec moi, Stella, et je t'en suis reconnaissante. De tous, seul toi as vu la beauté dans les profondeurs, les merveilles qui m'ont émerveillée et aliénée. J'espère que tu vois maintenant qu'on ne doit pas avoir pitié de moi. Un tel éclat est un cadeau, pas comme les autres. Et je suis heureuse qu'avec moi tu aies pu le voir. Tu le vois maintenant, non?
Ma transparence, mon manque de substance, ça ne s'améliore pas. Depuis la tempête, chaque jour, des lambeaux de moi tombent dans l'oubli. J'ai trop perdu, je ne peux plus être réparé. Je n'ai plus la masse critique pour avoir encore une existence. Les échos des échos ne peuvent perdurer qu'un temps. Au revoir, Stella. Eh bien, au revoir, Daria. Et on a donc une nouvelle étoile dans notre ciel, l'étoile de Daria. Donc on va aller pouvoir récupérer sa fleur d'esprit. Ok, donc on est là. Du coup, on va sans doute faire la même chose et aller... déposer Elena. D'ailleurs, du coup, où est sa fleur d'esprit à elle? Vu qu'elle était dans notre logement. C'est une bonne question. On n'a pas d'indice, on cherchera. On va du coup déposer Elena également. Stella, nous y sommes. Je sais que j'ai été exigeante envers toi dernièrement. J'espère que tu comprends. Chacun a besoin d'un peu de discipline dans sa vie. Pour quelqu'un qui accompagne les autres jusqu'à l'au-delà, tu résistes étrangement bien. J'ai une dernière requête pour toi. Ce ne sera pas simple, considérant ce dont on vient de parler. Ferais-tu le voyage avec moi? Merci. Donc on cherchera la fleur de Daria. Elle n'est pas magiquement apparue dans notre inventaire. On va attendre qu'Elena nous rejoigne tranquillement. Voilà, elle arrive. Une dernière chose. Alors, tu as été ma première élève dans ce lieu. Je ne crois pas que tu mérites la note de passage. Je t'en tiendrai par rigueur, et tu devrais en faire de même. Il y a une leçon que tu devrais apprendre de ça. Si la vie est dure, tu devrais être douce envers elle. Les gens ont la capacité de changer. Tu as la capacité de changer. Tu peux devenir qui tu veux. Je sais que c'est parfois une tradition. Le passage d'un héritage. Le témoignage qu'on garde à la fin. Un trésor de famille. Quelque chose pour se rappeler de son temps ici-bas. Je ne souhaite pas te léguer ça. Toutefois, j'ai préparé quelque chose de mieux. Des tâches et des requêtes du grand au-delà. Tu les recevras. Un objet inutile, tu ne feras pas penser, mais les leçons, elles, oui. Ok, donc peut-être que Elena ne va pas nous donner de fleurs d'esprit. Puisqu'elle va nous laisser des leçons. Avec un peu de chance, tout sera fini bientôt. Laisse-moi penser à quelque chose. Ok. Je vais le dire.
Je veux seulement dire que, vraiment, d'une professeure à une élève, je suis fière. Tu as fait du bon boulot. Profite pour boire une petite gorgée. Ce trajet est bien silencieux. J'ai réfléchi. Quand nous serons rendus, peut-être, juste peut-être, on pourrait se faire un câlin. On verra comment je me sens. C'est vrai qu'Elena n'aime pas les câlins. C'est la seule fois que je te laisserai faire. Allez. Voilà, donc là on a la possibilité de nous partir, je pense, avec les petits papillons de. Lily, je trouvais plus le mot. On voit qu'on a Daria ici. On peut lui faire un câlin. Ok. Donc. Avant que ce soit nous qui partions, c'est pas le but. On va eh bien, faire. Donc, du coup, est-ce que ceci. Non, ceci n'est pas la fleur de Daria. Voilà, les petites. Ah, là, on a les petits symboles. Ah, on a tous nos esprits en transparence. Tous. Oh. Voilà, ici on a donc la fleur d'esprit d'Elena. Et on va aller chercher notre amélioration de moulin qui est au port d'Alt. En tout cas, la quête qui va nous permettre de l'améliorer est là-bas. Mais c'est vrai que ça commence à sentir la fin hein, avec tous ces esprits en transparence. Ok, donc ils sont partis. C'était vraiment lié au fait qu'on était au seuil éternel et qu'on nous proposait à nous de partir. Voilà, il me reste des graines étranges. C'est à peu près la seule chose que j'ai d'intéressant à planter. Et Buck a faim! Et normalement, si on a bien fait notre travail, on a de la pizza. Manger de la pizza à la tomate toute la journée, c'est le but.
Voilà. Donc il ne reste plus que Buck. On va aller au port d'Alt. Ah, et il a une quête pour nous. Qu'est-ce que c'était que ça? J'ai entendu de forts sons métalliques du pont la nuit dernière. Travailles-tu sur un projet secret? Non? Alors tu devrais probablement jeter un coup d'œil au bateau. Quelque chose est peut-être brisé. Donc on a une nouvelle quête. C'est parfait. On doit quoi faire exactement? Regarde partout sur le bateau. Ok, on va regarder partout sur le bateau. J'espère qu'il faut pas que j'aille partout, hein, parce qu'on a quand même un sacré paquet de bâtiments. Puis des bruits métalliques. Qu'est-ce que ça peut être? Dans notre forge? J'en vais en profiter pour récolter les poires. Parce que ça sert toujours avec Francis, les poires. Je suis déjà allée là. Pour l'instant, je vois pas grand-chose qui ne serait pas à sa place. J'ai des choses à récolter ici. Des choses à récolter. Je voulais récolter. Là. Voilà. Je vais quand même aller dans chaque pièce, on ne sait jamais. Le lin de mémoire, je plantais du lin pour améliorer mes coraux à moutons. Ah, bah. L'impression que on a un passager clandestin. Qu'est-ce que... Oh, Stella! C'est... Je vois. C'est pas ce que tu crois. J'étais... J'étais... Ah merde! Ouais, j'habite ici. Je n'ai nulle part où aller. Je peux pas certainement... Je peux certainement pas retourner dans ce minable hôpital. Pas après ce qui est arrivé avec Daria. Alors je me suis faufilée ici et cet endroit semble vide, alors je me suis dit que ça ferait de mal à personne. Quoi? C'est la maison de ton ami? Bon, comment j'étais supposée le savoir? Et de toute façon, elle ne l'utilise même pas. J'imagine qu'elle est en vacances, hein? Elle se détend dans une de ces 50 villas? Il y a des gens qui ont tout alors que nous, les pauvres, on n'a rien. Alors tu sais quoi? Si elle veut avoir sa maison, elle va devoir me sortir d'ici elle-même. Ouais, c'est ça, je vais lui montrer. Quoi? Elle est... Oh. Merde. Je suis désolée, Stella. Je savais pas. Je parle encore trop. Je vais... Laisse-moi une minute. Je vais faire mes valises et sortirai de ta vue. Je sais quand je ne suis pas le bienvenu. Quoi? Je peux habiter ici? Tu ferais ça pour moi après tout ce que j'ai fait? Je... C'est... Bon, si tu insistes, je ne dérangerai personne. Et je veux vraiment plus dormir dans la rue. Ouais, tu verras. Je te remercierai en t'aidant sur le bateau. Jackie n'est pas un parasite. J'ai pas besoin de ton aide. C'est toi qui as besoin de la mienne. Ouais, tout simplement. Comme avant. Et tu sais, je... Merci, Stella. Merci, Stella. Alors, par contre, on a vu que t'avais faim. Hein, du coup, parce que tu squattes chez nous. Mais...
Alors, qu'est-ce que tu peux aimer? Est-ce que je te donne... On sait que t'aimes de la viande. Je vais... Qu'est-ce que je peux te donner comme petite viande? Est-ce que je vais pas te donner ça? Si, on te donne ça. Bon, a été affamé et il aime les câlins. Il s'appelle pas Elena. Il s'appelle Jackie. Je reçois pas assez de câlins. Et du coup, on est arrivé au port d'Alte. Donc on a trouvé notre passager clandestin. Et on va essayer de trouver... on est de nuit, donc j'espère que ça va aller. Bienvenue, bienvenue! Nous sommes la Société pour la préservation du Mingberg. Elle a été mise sur pied par... eh bien moi! J'étais fatiguée d'être assise, de ne rien faire. Mon nom est Jabari Simmons et je crois en la propreté. Je crois en un Mingberg propre. C'est pourquoi moi et d'autres bénévoles sommes ici. Nous voulons restaurer ce port. Il a cruellement besoin d'un coup de pinceau. Question de lui redonner de l'éclat. Avant, il y avait un vieux quai à bateau ici. Nous aurions pu utiliser ce matériel pour reconstruire ces maisons. Mais quelqu'un l'a visiblement déjà volé. Les gens font parfois des choses stupides. Si tu veux nous donner un coup de main, nous cherchons toujours des bénévoles. En ce moment, je crois que nous voulons seulement sortir ces caisses de l'eau. Voudrais-tu le faire? Bien sûr que si, tu es une fonceuse. Donc on a une requête. Alors, comment on sort les caisses de l'eau? Où sont les caisses? Où est l'eau? Ah, les caisses sont là. Ok, je peux retomber dans l'eau? J'ai le droit. Voilà. Je pense que c'est exactement ce qu'on cherchait. Hop, une caisse. Deux caisses. Y a-t-il d'autres caisses? N'y a pas l'air. Ok, on peut pas grimper là. Alors, on va pour lui reparler. Beau travail! C'était bien! Nous allons continuer de peinturer, de nettoyer ces taches, et probablement se débarrasser aussi de cette benne à ordures. J'ai entendu dire qu'il y avait un opossum là-dedans. Parfois, c'est comme ça que ça se passe. C'est ce qui arrive tous les jours ici. Réparer, restaurer, répéter. C'est notre devise. Les trois R de la Société pour la préservation du Mingberg. Avec un peu de chance, personne n'utilise déjà ce slogan. Bon, retournons nos affaires. Voici une petite mais cruciale liste de commissions pour toi. Si nous avons tout ça, nous serons capables de redonner un peu de beauté bien méritée à ce sanctuaire. Merci encore de ta précieuse aide. Au revoir. Ok, donc il nous a donné une quête, trouver de la colle tout usage. Alors la colle tout usage, c'est facile, on peut en faire. Faut que je me souvienne comment. Il me semble que c'est les souliers qu'il faut mettre à fondre. Les souliers qu'il faut mettre à fondre. D'ailleurs, je suis assez étonnée parce que cette machine, on lui met quasiment jamais de charbon et pourtant, elle fonctionne nickel. Je vais attendre que ça descende un petit peu pour être sûr de pas faire de trop chaud. Voilà, donc on va attendre que ça descende beaucoup maintenant. Et si tout s'est bien passé comme prévu, on aura de la colle à donner à notre ami de la Société de préservation du Mingberg. Oh bah, même peut-être rien à faire du tout. Ah, on a du courrier. C'est parfait, on a du courrier, on a de la colle. Tout va bien. Tout est merveilleux. Et tout se débloque très bien. Alors on a des lettres d'Elena directement. Alors, lettres d'Elena. On va les ouvrir. Ah, Stella. Ok, on ouvre la première. Stella, il te reste un peu de travail à faire. Je crois que tu peux améliorer tes stations encore un peu. Ok. Stella, je crois que tu as pris assez de vacances. J'ai une liste de...
Quelques courses à faire, Francis t'en expliquera les détails. Ok, des nouvelles courses. Alors, j'ai pas vu s'il nous avait donné des améliorations. Je crois pas. De toute façon, on n'a pas grand-chose à améliorer. On a que ça qui nous manque. On va regarder au niveau des constructions. Elle nous a rien rajouté. On va regarder du coup au niveau de la quête. Complète les courses. Ok, bah, visiblement, la première nous a pas donné de quête. Extraordinaire! Aimerais-tu donner à la société pour la préservation d'Hummingbird? Bah oui, on va donner notre colle. Merci beaucoup! Cependant, on vient tout juste de recevoir un gigantesque chèque signé par Raccoon Inc. Ils disent que la propreté aide le commerce. Ils veulent voir ici des touristes et des gens heureux. Mais merci pour tes vaillants efforts. Nous remettrons sur pied cet endroit. Il fera beau et nous ferons fonctionner à nouveau. De la part de tout le monde à la société pour la préservation d'Hummingbird, merci de penser à notre qualité de vie. Oh, j'ai presque oublié. En nettoyant, nous avons trouvé ça. C'est dans une maison. Tu peux la voir en signe de mon appréciation. Nous aurons fini dans quelques jours. Reviens pour apprécier le paysage. Passe une bonne journée et rappelle-toi, applique toujours la règle des 3 R. Voilà, on a gagné l'amélioration du moulin. À voir si on peut la faire, hein, si on a les matériaux nécessaires. Donc, améliorer notre moulin. Il nous manque un lingot de pulsar. Qu'on devrait pouvoir faire sans trop de soucis, je pense. Sauf malchance extraordinaire. Du pulsar. C'est ça. On a largement ce qu'il faut en pulsar pour en faire quelques lingots. Alors là, ça monte très doucement. Très doucement. Hop. Et ça redescend quasi aussi vite. Hop. Ok, je peux donner un petit coup quand c'est à la limite. Et ça va à l'autre limite, c'est parfait. On est bon, on a des lingots de pulsar. C'est parfait. Et on va du coup pouvoir améliorer notre moulin. Voilà, ça c'est fait. Et du coup, Jackie nous a pas donné de quête. Je pense qu'il va quand même nous en donner à un moment. Du coup, je vais regarder un peu ce que j'ai comme cuisine de viande. Voir un peu ce qu'on peut faire. On pourrait faire du poulet grillé. Ça pourrait être une idée. Pourrait faire du mijoté également. On va faire ça. On va faire du poulet grillé avec du poulet. Du poulet, j'en ai là. Je vais en faire deux. Allez, c'est parti. On va améliorer aussi notre dernier corral à moutons. Parce que pourquoi pas? Et normalement, on aura tout amélioré notre bateau. Ah non, il manque 8 planches de frêne. Enfin, 8, il m'en manque 5 du coup. Alors là, Siri est par là. Et on s'arrêtera sur cette amélioration de. Non mais. Voilà. Un peu mal foutu, ma Siri, donc on a dit du frêne. Oh là là, on en a énormément du frêne.
Et je suis d'ailleurs étonnée que Francis ne nous ait pas déjà rejoints, même si on était un peu loin. Normalement, Francis essaye toujours de nous rejoindre. C'est peut-être nous qui essaierons d'aller le rejoindre, du coup, pour eh ben, faire notre course comme demandé par Elena. Donc on va améliorer ici notre dernier corral à moutons. Hop. Et normalement, on est quand même plutôt pas mal. Normalement, je peux zoomer un peu, voir mes bâtiments. Donc là, il y a l'étoile. Alors, le salon n'en a pas, mais je crois pas qu'on puisse l'améliorer. Il y a les petites étoiles au niveau des vaches, au niveau des moutons, au niveau du cellier, au niveau des jardins, du champ. Ici aussi, ici aussi. Notre salle d'archives n'en a pas, mais je crois qu'on ne peut pas l'améliorer plus. Ici, ce sont des logements, on les a déjà améliorés. Donc le moulin, on l'a amélioré également. Le poulailler, c'est bon. Et la forge, c'est bon. Donc moi, je vois des petites étoiles partout. Donc je pense qu'on a amélioré tout au maximum. Donc on va, eh bien, s'arrêter là pour cet épisode. On verra du coup ce que Francis a à nous proposer et également les courses que Elena peut nous donner. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce et on se retrouve à très bientôt pour la suite. Bye bye!